Hola señores. Pourquoi la salsa est-elle moins à la mode qu'elle ne l'a été? Eh bien, toute simple la réponse, parce que le destin d'une mode, c'est d'être remplacé par une autre mode. Voilà, faut pas chercher très très loin. Vous savez, si on regarde un petit peu comment ça s'est passé, la salsa aujourd'hui c'est moins à la mode en France, oui, parce que c'est pas notre culture à la base. Si vous regardez en Amérique latine, ça reste toujours quand même dans les esprits, en Colombie, en toute l'Amérique latine. Le flamenco à Séville, ça reste toujours quelque chose de très populaire. Le tango argentin à Buenos Aires, on n'entend que ça. Dans le taxi, la boulangerie, c'est permanent quoi, le tango argentin. Donc, il faut comprendre que chez nous, bah voilà, ça vient. On a importé un petit peu cette culture-là. Quand les gens ont commencé à faire des voyages à Cuba, quand ça s'est démocratisé, les Français sont revenus en France. Et puis, ils ont voulu retrouver un peu cette ambiance. Et d'abord, c'est les premiers latinos dans les clubs à Paris qui ont perpétré cette culture-là. Et du coup, les gens ont commencé à faire des cours, à écouter cette musique. Mais ça y est, c'est passé un petit peu de mode. Ça existe toujours, mais c'est un peu moins à la mode. Alors, pourquoi aussi? Il faut voir ça, c'est que comme c'est remplacé par une autre mode, lesquelles, bah, vous le savez, c'est aujourd'hui la bachata et la kizomba qui tiennent vraiment haut le flambeau de la mode. Et en fait, bah, pourquoi ça? Finalement, parce que quelque part, aujourd'hui, musicalement, c'est beaucoup plus repris. Hein, la salsa est une musique très très culturelle, très typique et quelque part plus ancienne. Aujourd'hui, on a beaucoup moins des reprises, on a beaucoup moins de nouveautés qui se créent. On en a, mais beaucoup moins. Le grand public aujourd'hui, un son connu va tout de suite être repris en bachata ou en kizomba. Il y a tout de suite un remix qui sort, bim. On est sûr qu'une musique qu'on aime bien, rien que le générique de Narcos aujourd'hui, Tuyo, Rodrigo Amarante, il a été repris en bachata et j'imagine en kiz, c'est évident. Donc évidemment, tout le monde peut s'identifier beaucoup plus facilement à ces musiques-là. Ensuite, il faut voir que quelque part, donc finalement, la musique est plus facile à comprendre, donc quelque part plus facile à aimer. Hein, aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, la bachata, rythmiquement, la personne qui ne connaît rien. Moi-même, quand je faisais des animations dans les clubs, au début, je faisais plus la salsa parce qu'on me demandait de la salsa. Même aujourd'hui, quand on me demande de la salsa, je fais de la bachata parce que rythmiquement, les gens comprennent plus facilement le 1 de la phrase musicale, parce que rythmiquement il y a une caisse claire qui est beaucoup plus facile à entendre, et pareil pour la kizomba. Donc vous voyez, il y a quelque part une facilité même dans la danse à choper, au moins sur les pas de base, sur des choses comme ça. Ensuite, il y a, regardez aujourd'hui, si vous regardez sur les réseaux sociaux, demandez à vos amis non danseurs les vidéos qui se partagent. Eh bien, les non-danseurs souvent connaissent déjà la bachata ou la kizomba, même sans danser. Alors, on voit rarement des non-danseurs qui voient des vidéos de salsa se partager dans tous les sens, ce qui est déjà un gros indicateur. Et puis pour finir, je dirais que tout simplement, on a coutume de dire dans ce milieu-là que pour qu'une danse elle fonctionne, il faut au moins deux critères. Il faut que la danse soit facile d'accès, pas qu'elle soit facile pour toujours, mais qu'on y rentre facilement. Et puis qu'il y ait un vrai rapprochement. Voilà, et moi je pensais que quand je me suis lancé dans la salsa, bah, c'était vraiment le cas, mais j'avais jamais pensé qu'un jour il y aurait des danses encore plus faciles d'accès et où il y a encore plus de rapprochement. Voilà, donc la question qu'on peut se poser, c'est quelle sera la danse demain qui va générer plus de rapprochement et encore plus d'accessibilité. Hasta luego, señores!